Bonjour. Sans les écrits de l'auteur à qui je consacre le programme d'aujourd'hui, Lovecraft ou Jean Rey ne seraient pas ce qu'ils sont. William Hope Hodgson, 1877-1918. William Hope Hodgson est un écrivain anglais réputé pour ses nouvelles et ses romans fantastiques. Fils de pasteur, il quitte très jeune sa famille et dès 14 ans, il s'enrôle comme matelot dans la marine marchande. Après 4 années d'apprentissage, il intègre une école d'officiers de Liverpool et en sort avec un diplôme de lieutenant. Il obtient l'autorisation de monter une chambre noire sur le bateau sur lequel il navigue et photographie avec talent la mer et les phénomènes climatiques. Il s'adonne également au bodybuilding, au judo et à divers sports, au point de devenir un homme renommé en Angleterre pour sa force physique. En 1899, après avoir fait le tour du monde, Hodgson abandonne la vie en mer. Il s'installe à Blackburn, au nord de Liverpool, où il ouvre une salle de gymnastique qui fait faillite en 1904. C'est précisément en 1904 qu'il se consacre à la création littéraire et fait paraître son premier roman, Les canaux du Glen Carrig, en 1907. Succéderont plusieurs autres romans et nouvelles, dont L'épave, qui nous intéresse aujourd'hui, écrite en 1912, et extraite du recueil « La chose dans les algues ». Lors de la guerre 14-18, Hodgson, touché par un éclat d'obus pendant la bataille de la Lys sur le mont Kemmel, près d'Ypres en Belgique, il décède des suites de ses blessures le 19 avril 1918, à l'âge de 40 ans. Imprégné des univers d'Edgar Poe, Algernon Blackwood, Wells, Jules Verne et autres auteurs du genre fantastique, l'œuvre de Hodgson a beaucoup influencé Howard Phillips Lovecraft. Voici d'ailleurs ce qu'a écrit Lovecraft à propos de William Hope Hodgson. C'est l'un des rares qui a capturé l'essence intime de l'étrange. Parmi les connaisseurs de la fiction fantastique, William Hope Hodgson mérite constamment une place élevée car, triomphant d'un style malheureusement ordinaire, il égale ici et là les plus grands maîtres par la suggestion ambiguë de mondes et d'êtres cachés sous la surface banale de la vie. Peu peuvent égaler sa description de forces innommables et d'entités monstrueuses à l'affût à travers des signes ordinaires et des détails significatifs comme sa façon de suggérer la sensation du monde des spectres et de l'anormal en l'associant à des régions ou des bâtiments. Je vous raconte L'épave, une nouvelle de William Hope Hodgson, extraite du recueil intitulé La chose dans les algues, paru en 1912. Je venais de passer mes examens, mais j'étais tellement épuisé par le travail que je décidai de faire un voyage en mer. Je n'étais pas très riche et fus heureux, finalement, de trouver un poste de médecin à titre temporaire sur un clipper qui transportait des passagers en Chine. Le bateau s'appelait le Bipt. Et peu après que j'eus mis mon sac à bord, il partit. Nous descendîmes la Tamise et le lendemain, nous étions déjà loin dans la Manche. Le commandant s'appelait Gannington, un homme très correct, quoique totalement illettré. Le second, Monsieur Berlise,
était un homme tranquille, austère, réservé, très bien élevé. Le premier lieutenant, M. Salverne, était, peut-être par son enfance et son éducation, le plus socialement cultivé des trois, mais il n'avait pas la vigueur et le courage indomptable des deux autres. Il était le plus sensible et le plus vif intellectuellement des trois. Sur notre route, nous fîmes escale à Madagascar, débarquâmes quelques passagers, puis nous mîmes cap à l'est, pensant faire escale à Northwest Cape. Mais vers les 100 degrés est, nous rencontrâmes un gros coup de vent qui emporta toutes nos voiles, le bout dehors et le mât de petit perroquet. La tempête nous fit dériver vers le nord sur plusieurs centaines de milles, et quand le vent tomba, nous nous trouvâmes finalement dans une situation épouvantable. Le bateau avait fatigué et embarqué près de 3 pieds d'eau à travers ses coutures. Le grand mât de hume avait été emporté comme le bout dehors et le mât de perroquet. Deux de nos embarcations étaient parties, ainsi qu'une de nos porcheries, avec 3 jolis petits cochons. Tout cela avait été projeté par-dessus bord une demi-heure avant que le vent ne tombât, ce qui arriva d'ailleurs assez vite. Mais la mer demeura mauvaise pendant plusieurs heures encore. Le vent mollit juste avant la nuit, et quand vint le jour, le temps était splendide. La mer calmée ondulait doucement, le soleil brillait et il n'y avait plus aucune brise. Nous vîmes alors que nous n'étions pas seuls. Il y avait à quelques 2 milles à l'ouest un autre navire que M. Saverne, le premier lieutenant, me signala. « Voilà un paquebot qui a une drôle d'allure, docteur, » dit-il. Et il me passa ses jumelles. J'examinai le bateau et vis ce qu'il voulait dire. Tout au moins, je le crus. « Oui, monsieur Salverne, » dis-je, « il a l'air drôlement démodé. » Il me regarda en riant plaisamment. « On voit bien que vous n'êtes pas un marin, docteur. » Il y a un tas de choses bizarres. C'est une épave et rien qu'à regarder. Elle a dû dériver dans ces parages depuis pas mal d'années. Regardez la forme de sa voûte d'arcasse et ses bossoirs et son guibre. Il est vieux comme les montagnes, si l'on peut dire, et devrait être par le fond depuis bien longtemps. Voyez ce qui pousse là-dessus et l'épaisseur de ses haubans. Ils sont tout incrustés de sel. Je me demande si vous avez remarqué cette couleur blanche. Ça devait être un petit trois-mâts, mais voyez donc, il n'y a pas une seule vergue dans la mâture. Elles sont toutes tombées des suspentes, tout est parti en pourriture. Je me demande comment tout le gréement n'a pas dégringolé aussi. J'espère que le vieux nous laissera prendre le canot pour aller l'examiner. Ça en vaut la peine. Il y avait peu de chance pour cela, car tous les hommes devaient travailler dur toute la journée afin de réparer les avaries dans la mâture et le gréement, et il y avait à faire, on peut m'en croire. J'aidais moi-même une partie du temps, allant sur l'un des cabestans, car cet exercice était bon pour ma santé. Le vieux capitaine Cannington m'approuva, et je le persuadai d'essayer de la même médecine ce qu'il fit. Et, en travaillant, côte à côte, nous devînmes bons camarades. Nous parlâmes de l'épave,
Et il remarqua que nous avions eu bien de la chance de ne pas avoir été jetés sur elle dans la nuit. Elle se trouvait directement sous notre vent, étant donné la route que nous avions faite en dérivant pendant la tempête. Lui aussi trouvait qu'elle avait un aspect plutôt étrange et devait être un assez vieux trois-mâts, mais sur ce point, ses connaissances étaient plus limitées que celles du premier lieutenant. Il était, comme je l'ai dit, illettré et ne connaissait des navires que ce que l'expérience lui en avait appris. Il n'avait pas en matière de navires anciens, dont l'épave faisait partie, les connaissances de son subalterne. « C'est une vieille barque, docteur !» fut tout ce qu'il put dire. Quand je lui fis remarquer qu'il serait peut-être intéressant de monter à bord et de tenter un examen détaillé, il inclina la tête comme si l'idée lui en était déjà venue et concordait avec sa disposition d'esprit. « Quand le travail sera fini, docteur, dit-il, je veux pas déplacer un seul homme maintenant, comme vous voyez. Il faut remettre en place tout l'accastillage et le gréement dans la mesure du possible. Mais quand le second quart de l'après-midi aura sonné, nous prendrons ma yole et nous irons jeter un coup d'œil. La mer est calme et ce sera un jeu pour nous. » Ce soir-là, après le thé, le commandant donna des ordres pour que la yole fût parée et mise à l'eau. Le premier lieutenant devait venir avec nous, et le patron lui donna l'ordre d'emporter deux ou trois lanternes, car la nuit allait bientôt tomber. Peu après, nous canotions sur la mer calme, avec six hommes aux avirons, et nous allions à une assez bonne allure. Maintenant, messieurs, je vous ai raconté les faits, petits et grands, aussi exactement que possible, de manière que vous puissiez suivre point par point chaque incident de cette étrange expérience, et je vous prie de me prêter la plus grande attention. J'étais assis à l'arrière du canot avec le lieutenant et le commandant qui tenaient la barre. Comme nous approchions de l'étrange carcasse, je l'observais avec beaucoup d'attention, tout comme le commandant et le lieutenant. L'épave était, comme je vous l'ai dit, à l'ouest de nous et le soleil couchant illuminait d'une large flambée rouge son arrière, de telle manière qu'on n'en distinguait pas très bien l'apparence. Cette lumière nous aveuglait, et nous ne pouvions fixer nos regards éblouis par les feux du couchant pour détailler ses agrès et ses espars délabrés. À cause de cela, nous arrivâmes assez près de l'épave sans nous apercevoir qu'elle était environnée d'une sorte d'écume bizarre dont nous ne pouvions déterminer la couleur à cause de la lumière rouge qui emplissait l'atmosphère. Nous découvrîmes plus tard qu'elle était brune. Cette écume se répandait tout autour du vieux bateau sur plusieurs centaines de mètres comme une sorte d'immense pommade plus ou moins épaisse dont la puanteur, portée par le vent d'est, nous parvenait à tribord tandis que nous en étions encore à quelques centaines de mètres. « Drôle de mélasse !» dit le commandant Gannington, se penchant par-dessus la lisse et examinant la chose. « Quelque chose dans le chargement a dû pourrir et s'est écoulé dans les bordées. Regardez les bossoirs et la poupe, dit le lieutenant. Regardez la saloperie qui pousse là-dessus. » On pouvait voir, comme il le disait, d'énormes épaisseurs d'une étrange mousse marine sous les bossoirs
et sous le panneau arrière. De son restant de beaupré et de son guibre pendaient de longues barbes d'herbe marine trempant dans l'écume qui restait prisonnière de la vieille coque. Son côté tribord se présentait à nous d'un flanc sale, tout zébré et marbré de bourrelets d'une couleur sombre et laide. Il y a de la vapeur ou du brouillard qui sort de tout ça, reprit le lieutenant. On peut le voir dans la lumière. Regardez! J'aperçus ce qu'il voulait dire. Un brouillard ou une pâle vapeur se tenait en suspension au-dessus du vieux navire, ou bien provenait de lui, et le commandant Cannington le vit aussi. Combustion spontanée! S'exclama-t-il. Faudra faire attention quand on rouvrira les écoutilles, à moins qu'il y ait un vilain diable à bord de cette barque, mais peu probable. Nous étions maintenant à quelques 200 mètres de la vieille épave, et nous avions pénétré dans l'écume brunâtre. Comme elle dégoulinait d'un aviron horizontal, j'entendis l'un des hommes qui se murmurait à lui-même « Saleté de mélasse !» Et c'était en effet quelque chose comme ça. Au fur et à mesure que le canot approchait, l'écume devenait de plus en plus épaisse et ralentissait visiblement notre avance. « Souquez, les gars! Mettez-y du jeu !» lança le commandant Cannington. Mais bientôt, on n'entendit plus rien, sauf le halètement des hommes et le chouf-chouf syncopé de la méchante écume brune à chaque entrée des avirons dans l'eau, et le canot progressait péniblement. Peu à peu, je me rendis compte qu'une odeur étrange se répandait dans l'air du soir. J'étais à peu près sûr que c'était le résultat des coups d'aviron dans l'écume. J'avais vaguement l'impression que cette odeur avait, pour moi, quelque chose de familier, bien que je ne puisse lui donner un nom. Nous approchions de plus en plus du vieux navire et bientôt sa coque se dressa, très haute par rapport à nous, contre la lumière déclinante. Le commandant ordonna « Rentrez les avirons et parez la gaffe !» Ce qui fut fait. « Ohé ! Du bateau ! Ohé ! Du bateau !» cria le commandant Cannington. Mais personne ne répondit. On entendit que le son de sa voix se perdre au loin, chaque fois qu'il lançait ce commandement. « Ohé ! Du bateau ! Ohé ! » s'efforça-t-il de temps en temps. Mais seul, le silence ancestral de la vieille carcasse nous répondait. Et pendant qu'il donnait ses ordres, moi, je considérais, de plus en plus stupéfait, l'épave. Je me sentais lentement oppressé. Une certaine nervosité s'emparait de moi. Cela passa, mais je me souviens que je pris soudain conscience de l'obscurité qui nous entourait. La nuit tombe rapidement sous les tropiques. Pas si rapidement que certains romanciers ont l'air de le croire. Mais ce n'était pas tant le rapide assombrissement du crépuscule qui m'inquiétait,
que mon état d'hyper-émotivité. Je parle de mon cas en particulier, car je ne suis pas en général un homme émotif. Aussi, cette nervosité soudaine était-elle significative étant donné le spectacle. « Y a personne à bord !» dit le capitaine Gannington. « En avant, les gars !» Car tous les marins du canot se reposaient sur leurs avirons tandis que le commandant hélait le vieux navire. Les hommes se mirent à ramer. Tout d'un coup, le lieutenant, très surexcité, attira notre attention. « Regardez là, c'est notre porcherie. Regardez, Biopt est écrit dessus. Elle a dérivé jusqu'ici et s'est engluée dans l'écume. Quelle chance !» C'était en effet, comme je l'ai dit, notre porcherie qui avait été emportée par la tempête et qui, par extraordinaire, était venue là. « Nous la remarquerons quand nous partirons !» déclara le commandant. Et il cria à l'équipage de souquer sur les avirons car le canot bougeait à peine. L'écume était si épaisse en approchant du vieux navire qu'elle entravait littéralement notre avance. Je me rappelle que je fus frappé, pour ainsi dire inconsciemment, par le fait étrange que la porcherie contenant nos trois cochons morts avait pu dériver si loin sans aide, alors que notre canot pouvait à peine avancer maintenant que nous avions pénétré dans l'écume. Mais cette idée ne me retint pas longtemps, car bien des choses se produisirent dans les minutes qui suivirent. Les hommes dirigèrent le canot pour pouvoir accoster le long de la coque quand nous n'étions plus qu'à quelques centimètres de l'épave, et l'homme qui tenait la gaffe crocha dedans. « L'as-tu accroché, brigadier ?» demanda le capitaine Gannington. « Oui, monsieur, » dit l'homme, et il n'avait pas fini de parler que nous entendîmes un étrange bruit de déchirure. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le commandant. « Ça s'arrache, monsieur, complètement arraché !» dit l'homme. Et l'on pouvait penser, à l'entendre, qu'il avait reçu un drôle de choc. « Croche de nouveau !» dit le capitaine Gannington, furieux. « Crois-tu, par hasard, que ce bateau a été construit hier ? Plante la gaffe dans ses portes au banc !» Ce que l'homme fit, avec précaution, car il me semblait, dans l'obscurité grandissante, qu'il maniait la gaffe sans faire d'effort. Ce n'était pas nécessaire, d'ailleurs. Le bateau ne pouvait pas aller très loin au milieu de cette matière visqueuse dans laquelle il flottait. Je me souviens que cela aussi me traversa l'esprit, tandis que j'examinais la carène du vieux navire. Puis j'entendis la voix du capitaine Gannington. « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, qu'il est vieux ! Et quelle couleur, docteur ! Il n'a pas besoin d'être à moitié peint. Hé, quelqu'un, passez-moi un aviron. » On lui donna un aviron, et il le posa contre le flanc de l'épave. Puis, il hésita, et demanda au lieutenant d'allumer deux lanternes et de se préparer à les lui passer à bord, car la nuit était maintenant tout à fait venue. Le lieutenant alluma les lanternes et demanda à l'un des matelots d'en allumer une troisième et de la tenir prête dans le canot, puis il vint vers le commandant
qui tenait l'aviron, appuyé contre la coque, avec un fanal dans chaque main. « Maintenant, mon gars !» dit le commandant au chef de nage. « Monte à bord, et on t'enverra les lanternes !» L'homme s'empressa d'obéir, prit l'aviron, et appuya dessus de tout son poids, et il sembla que quelque chose cédait. « Regardez !» s'écria le lieutenant, et il montra la place avec sa lanterne. « Il s'est enfoncé dedans !» C'était vrai. L'aviron avait creusé une sorte d'échancrure dans le flanc gluant du vieux navire. « C'est pourri, j'admets !» dit le commandant Cunnington en se baissant pour examiner l'épave. Puis, s'adressant au matelot, « À toi, mon gars, et dépêche, reste pas là à attendre !» L'homme, qui s'était arrêté un instant en sentant l'aviron s'affaisser sous son poids, commença à grimper. Quelques secondes après, il était à bord et se pencha par-dessus la lisse pour prendre les lanternes. On les lui transmit et le commandant lui dit d'assurer l'aviron. Il monta à bord, me demanda de le suivre ainsi que le lieutenant. Comme le commandant passait la tête par-dessus la rambarde, il poussa un cri d'étonnement. « De la moisissure ! Rien que de la moisissure ! Des tonnes ! Mon Dieu !» En entendant son exclamation, je me dépêchai de monter après lui et je fus bien vite en mesure de voir ce qu'il voulait dire. Partout où portait la lumière, on ne voyait que de larges épaisseurs d'une moisissure d'un blanc sale. Je passai par-dessus la lisse. Le lieutenant vint ensuite et nous nous trouvâmes debout sur le pont couvert de moisissure. Il ne devait pas y avoir de plancher sous cette couche de moisi, autant qu'on pouvait s'en rendre compte en posant le pied dessus. Nous ne sentions, en marchant, une matière flasque, spongieuse. Elle couvrait tout l'accastillage du vieux vaisseau, de telle sorte qu'on pouvait seulement deviner les différentes parties de son architecture. Le capitaine Cunnington attrapa une des lanternes que tenait le matelot, et le lieutenant prit l'autre. Ils les élevèrent à la hauteur du regard, et nous pûmes examiner la chose. C'était extraordinaire et, d'une manière ou d'une autre, parfaitement abominable. Je ne peux pas trouver un autre mot, messieurs, pour donner une idée de ma première impression. « Bon Dieu !» répéta plusieurs fois Cunnington. « Bon Dieu, bon Dieu !» Mais ni le lieutenant ni le matelot ne prononcèrent un mot. Pour ma part, je continuai à regarder et, en même temps, je reniflais dans l'air une odeur étrange qui m'était vaguement familière. J'en fus, d'une certaine manière, un peu effrayé. Je me tournai d'un côté et de l'autre, examinant tout. Comme je l'ai dit, ici et là, cette moisissure était si épaisse qu'elle dissimulait tout ce qu'elle recouvrait, convertissant les superstructures en des sortes de champignons informes d'un blanc sale marbré de veines violacées. Le capitaine Cunnington attira notre attention sur un aspect curieux de cette moisissure. Elle ne s'écrasait pas quand nous marchions dessus,
et nous n'entamions pas sa surface comme on pouvait s'y attendre. Nous l'écorchions à peine. « Rien vu de pareil! Jamais !» dit le commandant en se penchant sur la moisissure avec son fanal pour l'inspecter de plus près. Il enfonça à plusieurs reprises son talon dedans et la substance émit une sorte de son étouffé. Il se pencha plus bas d'un mouvement brusque et considéra la chose de plus près avec sa lampe. « Sacré nom ! On dirait qu'elle a comme une peau dessus !» dit-il. Le lieutenant, le matelot et moi-même, nous nous baissâmes d'un même mouvement pour regarder de plus près. Le lieutenant enfonça son index, et je me souviens que je frottais la surface plusieurs fois du bout des doigts, écoutant le bruit assourdi que cela produisait. Nous remarquâmes la fine et solide texture qui recouvrait la moisissure. « De la pâte !» dit le lieutenant. « C'est tout juste comme de la pâte !»« Pouah !» Il se redressa aussitôt. « J'ai l'impression que ça sent plutôt mauvais !» À peine avait-il dit cela, que je pris soudainement conscience de ce qu'avait de familier cette vague odeur qui nous entourait. C'était une sorte d'odeur animale, ce genre d'odeur, quoiqu'un peu plus lourde, qu'on ressent dans un endroit envahi par les rats. Je commençais à considérer les choses d'une manière très inconfortable. Il pouvait y avoir, à bord, d'innombrables rats affamés. Ils allaient devenir très dangereux s'ils mouraient de faim. Vous comprendrez, bien entendu, que j'hésitais par précaution à en parler, par crainte d'être victime de mon imagination. Le capitaine Gannington, suivi du lieutenant, se rendit à l'arrière en suivant le pont couvert de moisissures. L'un et l'autre tenaient leurs lampes haut levées pour éclairer le navire le mieux possible. Je me dépêchais de les suivre avec le matelot sur mes talons, et nous ne marchions pas commodément. Tout en avançant, je me rendis compte qu'il y avait une odeur de moisi dans l'air, et je me rappelais le léger brouillard où la fumée qui sortait de la carcasse, ce que le capitaine Gannington avait tenté d'expliquer en disant qu'il s'agissait d'une combustion spontanée. Plus nous allions, plus nous respirions cette odeur vaguement animale et, brusquement, je me pris à souhaiter que nous soyons loin de cette vieille barque. Après avoir fait quelques pas, le commandant s'arrêta et déclara à brûle-pourpoint, en remarquant une rangée d'objets bizarres recouverts de l'étrange moisissure de chaque côté du pont. « Des canons ! Des canons ! M'est avis que ça a été un corsaire dans le temps ! Pire encore ! Regardons là-dessous, docteur, ça vaut peut-être la peine. Il est plus vieux que je croyais. » Salverne estime qu'il a près de 300 ans, j'ose à peine le croire. » Nous continuâmes vers l'arrière, et je me souviens que je prenais d'infinies précautions pour marcher, comme si, dans mon subconscient, j'avais peur de fouler toutes ces pourritures qui envahissaient les ponts. Les autres avaient sans doute la même idée à voir la façon dont ils posaient les pieds. De temps en temps,
La moisissure vous emprisonnait les talons, puis relâchait sa prise avec un petit bruit de succion. Le commandant allait un peu plus vite que le lieutenant, et je compris que, dans son idée, il avait peut-être dans les cales quelque chose qui valait la peine d'être récupéré, ce qui échauffait son imagination. Le lieutenant, au contraire, commençait à partager mon état d'esprit. J'avais du moins cette impression. Je crois que si nous n'avions pas subi l'ascendant du commandant, dont le courage, comme je l'ai dit, était à toute épreuve, nous aurions tous franchi la Lys pour repartir aussi vite que possible, car nous sentions qu'il y avait là quelque chose d'indiscutablement malsain, et chacun, sourdement, commençait à perdre courage. Vous verrez bientôt que ce sentiment était justifié. Au moment où le commandant mettait les pieds sur l'échelle moisie de l'étroite dunette, je me rendis compte que cette sensation de moiteur répandue dans l'air devenait quelque chose de plus précis. On pouvait maintenant percevoir, par intervalles, une sorte de vapeur légère, brumeuse, qui allait et venait bizarrement. Elle recouvrait étrangement les superstructures de telle manière que, de temps à autre, tout devenait à peu près indistinct. Une fois, une désagréable bouffée d'air, venant de je ne sais où, me sauta au visage. Elle avait une odeur louche et malsaine qui me terrifia, comme si elle annonçait un danger incompréhensible. Tous les trois, nous avions suivi le capitaine Gannington sur la dunette recouverte de moisissures, et nous gagnions lentement l'arrière. Près du mât d'Artimon, le capitaine Gannington s'arrêta et l'examina avec sa lanterne. « Parole, monsieur, » dit-il au lieutenant. « Il a rudement épaissi avec cette pourriture. Je parierais qu'il a au moins épaissi de presque un mètre. » Il abaissa sa lanterne au ras du pont. « Sacré nom, » dit-il. « Regardez les poux de mer. » Je m'approchai. C'était comme il avait dit. Les poux de mer couvraient le pont. Les uns étaient énormes, à peu près comme de grosses blattes. Ils étaient incolores comme de l'eau, parsemés de taches grises qui ne pouvaient être que leurs organes intérieurs. « J'en ai jamais vu de pareil, sauf sur une morue vivante !» dit Gannington d'une voix embarrassée. « Ma parole, mais ce sont des monstres !» Il quitta la place, fit quelques pas, et s'arrêta encore tenant sa lampe de façon à éclairer le pont caché par la moisissure. « Que Dieu me bénisse, docteur !» dit-il à voix haute. « Avez-vous jamais vu quelque chose de pareil ? En voilà un qui à peu près... « Un demi-mètre ! En voilà un animal !» Je me penchai par-dessus son épaule et aperçus ce qu'il voulait dire. La bête mesurait à peu près 30 centimètres de long et semblait haute de 20. Son dos était incurvé et curieusement étroit. Comme nous l'examinions, elle fit un bond et disparut. « Partez ! Partez ! » dit le commandant. « Si jamais j'ai rencontré un pou de mer géant, c'est bien celui-là. Il a fait un bond d'au moins 5 mètres. » Il se redressa et se gratta la tête d'une main. Pendant un moment et balançant sa lanterne à droite et à gauche de l'autre main, et nous regardant. « Qu'est-ce qu'il fout ici ? »
dit-il. On voit ce genre de bestioles sur de grosses morues ou des choses comme ça. Si jamais j'y comprends quelque chose, docteur. Il porta sa lanterne vers un gros amoncellement de moisissures qui remplissait presque tout le pont de la poupe. Un peu en avant de cet amas, une ouverture semblait aboutir à une sorte de seconde dunette plus élevée qui courait sur l'arrière jusqu'au couronnement. Cela formait un tertre assez gros de près d'un mètre de large et d'environ un mètre de haut. Le capitaine Gannington alla l'examiner. « Il doit y avoir un hublot, là !» remarqua-t-il, et il donna un grand coup de pied. Le seul résultat fut une profonde entaille dans l'épais monticule blanchâtre, comme s'il avait donné du pied dans une masse de substance pâteuse. Mais je n'ai pas tout à fait raison de dire qu'il n'y eut que ce résultat. Il arriva encore autre chose. À l'endroit où le commandant avait frappé, il sortit un petit jet d'une substance fluide et violacée, accompagnée d'une odeur étrange qui semblait à la fois familière et indéfinissable. Un peu de cette substance resta collée au bout de la chaussure du commandant, et de là aussi émanait comme une sueur d'une coloration semblable. « Eh bien !» dit le capitaine Gannington, étonné. Et il s'apprêtait à donner un nouveau coup de pied dans le monticule, mais il marqua un moment d'hésitation en entendant le lieutenant s'écrier « Ne faites pas ça, monsieur !» Je me tournai vers lui. À la lumière de la lampe que tenait le capitaine Gannington, je vis que son visage montrait beaucoup de confusion et d'effroi, comme si quelque chose, soudainement, le terrorisait et qu'il n'avait pu retenir sa langue. Le commandant, lui aussi, se tourna vers lui et le regarda fixement. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il d'une voix un peu embarrassée et comme s'il était vaguement excédé. « Il faut bien déplacer cette ordure, si nous voulons descendre. » Je regardai le lieutenant, et je remarquai, avec un peu d'étonnement, qu'il n'écoutait pas le commandant, mais quelque autre bruit. Il s'écria soudain d'une voix étrange. « Écoutez tous !» Mais nous n'entendions rien que la conversation assourdie des hommes du canot le long du bord. Je n'entends rien, dit le capitaine Gannington au bout d'un court moment. Et vous, docteur? Non, rien, dis-je. Qu'est-ce que vous avez cru entendre? Demanda le commandant, se tournant une nouvelle fois vers le lieutenant. Mais le lieutenant hocha la tête, comme si la question l'importunait et l'empêchait d'entendre quelque chose. Le capitaine Gannington le considéra un moment un peu troublé. J'étais moi-même assez tendu. Mais à la lueur de la lanterne, on ne découvrit rien de particulier sinon, partout, l'amoncellement de la moisissure blanchâtre. « Monsieur Salverne, » dit enfin le commandant, « ne vous faites pas des imaginations. Reprenez vos esprits. Vous savez bien que vous n'avez rien entendu. »« Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose, monsieur, » dit le lieutenant. « Il m'a semblé que j'entendais. » Il s'arrêta brusquement et sembla prêter attentivement l'oreille à quelque chose. « À quoi cela ressemblait-il, demandai-je. » « Ça va comme ça, » dit le capitaine Gannington en riant. « On lui donnera un reconstituant au retour. Je vais démolir cette saloperie. »
Il se recula et, pour la seconde fois, lança un grand coup de pied dans le tas répugnant de cette matière indéfinissable sous lequel il pensait trouver le dôme. Le résultat fut sensationnel, car toute la chose vacilla mollement comme un tas de gelée malsaine. Il retira vivement son pied et fit un pas en arrière en examinant la chose avec sa lanterne. « Nom d'un chien !» dit-il. Et à coup sûr, il était franchement effrayé. « Cette saleté est devenue molle !» Le matelot s'était éloigné de plusieurs pas du monticule devenu soudain flasque et paraissait très effrayé, mais à coup sûr, il n'avait certainement pas la moindre idée de quoi que ce soit. Quant à moi, je me trouvais affreusement mal à l'aise. Le commandant tourna sa lanterne vers la masse gélatineuse en écarquillant les yeux. « C'est comme de la bouillie tout autour, » dit-il. « Il n'y a pas de hublot en cet endroit. Il n'y a pas la moindre superstructure en bois là-dessous. Pouah ! Quelle sale odeur !» Il fit le tour de l'étrange monticule pour voir si, de l'autre côté, il n'y avait pas un moyen quelconque de pénétrer à l'intérieur. On entendit alors le lieutenant. « Écoutez !» dit-il, de la même voix étrange. Le capitaine Gannington se redressa vivement. Il y eut un moment de silence absolu. On n'entendait même plus le bavardage des hommes du canot. Nous perçûmes tous les quatre une rumeur. Tchou, tchou, tchou. Une rumeur qui sortait de la coque, quelque part en dessous de nous. C'était si vague que je n'aurais pas été sûr de l'avoir entendue si les autres n'en avaient été témoins. Le capitaine Gannington se tourna soudain vers le matelot. « Dis-leur » commença-t-il. Mais l'homme poussa un cri et désigna quelque chose du doigt. Son visage, d'habitude impassible, témoignait d'une émotion intense, à tel point que le regard du commandant suivit le sien à l'instant même. Moi aussi je regardais, comme vous pouvez penser. Le matelot désignait le grand monticule. Je vis ce qu'il voulait dire. Des deux crevasses faites dans cette matière indéfinissable, par la botte du capitaine Gannington, le liquide pourpre fusait d'une façon étrangement régulière, comme s'il était rejeté par une pompe. Ma parole! Toute mon attention était absorbée par ce phénomène. Et, au même moment, un jet plus puissant que les autres gicla en éclaboussant les bottes et les pantalons du matelot. Ce gars-là était, depuis un moment, assez nerveux, mais sa nervosité reflétait une sorte de stupidité due à l'ignorance et à sa peur qui avait augmenté lentement. Ce qu'il venait de voir lui fit pousser un hurlement et il prit ses jambes à son cou. Il s'arrêta bientôt, comme s'il avait peur de l'obscurité qui recouvrait les ponts entre lui et le canot. Il arracha la lampe des mains du lieutenant et s'enfonça dans le noir pour fuir l'ignoble puanteur de cette substance molle. Monsieur Salverne, le lieutenant, ne dit rien. Il avait le regard fixé sur les deux jets du sale liquide pourpre à l'odeur étrange qui sortait du tertre gélatineux. Le capitaine Gannington, en hurlant, ordonna au matelot de revenir, mais l'homme se jetait ici et là dans la moisissure
et sa démarche semblait entravée par la chose devenue subitement molle. Il zigzaguait en courant, balançant sa lanterne qui décrivait des cercles désordonnés chaque fois qu'il voulait dégager ses pieds englués. On entendait le continuel plop, plop de ses efforts, et je pouvais saisir, de l'endroit où j'étais, ses halètements d'angoisse. « Reviens avec la lampe !» cria de nouveau le commandant. Mais l'homme fit la sourde oreille, et le capitaine Gannington resta silencieux un moment, ses lèvres tremblant d'étrange façon, sans qu'un son en sortît. Il semblait stupéfait par la violente colère que lui causait l'insubordination du matelot. Dans le silence, j'entendis le bruit. Tchou, tchou, tchou. Cette fois, très distinctement. On aurait dit que cela venait d'en dessous nos pieds, mais très en profondeur. Je regardais la moisissure sur laquelle je me tenais, et je ressentis bien vite une immense impression de dégoût pour tout ce qui nous entourait. Puis, je regardais le commandant et j'essayais de dire quelque chose sans montrer trop d'effroi. Il était retourné au monticule et toute trace de colère avait disparu de son visage. Il éclairait le monticule avec sa lampe et il écoutait. Ce fut de nouveau, le silence total. Je sais que j'avais perdu conscience de tous les bruits du monde, sauf de l'étonnant tchout, tchout, qui venait du plus profond de l'énorme carcasse sur laquelle nous étions. Le commandant déplaça ses pieds d'un mouvement brusque et nerveux. Comme il les soulevait, l'écume fit plop, plop. Il se tourna vivement de son côté, essayant de sourire comme s'il n'avait pas beaucoup d'idées là-dessus. « De quoi ça vous semble, docteur ? » dit-il. Je crois, commençai-je, mais le lieutenant m'interrompit d'un seul mot. Sa voix était plus aigu et d'un ton qui nous fit immédiatement nous retourner de son côté. « Regardez !» dit-il, et il montra le monticule. La chose tout entière tremblait. Venant d'elle, une curieuse ondulation se propageait sur le pont comme ces rides de la mer que l'on voit courir à la côte par temps calme. Elle atteignit un autre monticule placé devant nous que j'avais supposé être la claire-voie. Un moment après, le second monticule s'affaissa jusqu'au niveau du pont avec un frémissement sourd tout à fait étrange. La moisissure, juste sous le lieutenant, trembla brusquement. Il poussa un cri rauque et il étendit les bras de chaque côté pour tenir son équilibre. Le tremblement de la moisissure s'étendit. Le capitaine Gannington vacilla et lança de peur un juron. Le lieutenant sauta vers lui et lui attrapa le poignet. « Au canot, monsieur, au canot !» dit-il, exprimant exactement ce que je n'avais pas eu le courage de dire. « Pour l'amour du ciel, au canot !» Mais il ne put finir. Un formidable cri rauque coupa sa phrase. Ils se retournèrent tous les deux et regardèrent. Je n'avais pas besoin de me retourner. Le matelot, qui s'était échappé, se tenait sur le rebord à près d'un mètre du pavois.
Ils se balançaient de côté et d'autre, criant d'une manière effrayante. Il semblait essayer de soulever ses pieds et la lumière de sa lampe laissait voir un spectacle incroyable. Tout autour de lui, la moisissure était en mouvement. On ne voyait plus ses pieds. La chose semblait lécher ses jambes et, tout d'un coup, on vit sa peau nue. L'ignoble chose avait déchiré son pantalon comme s'il avait été en papier. L'homme poussa un cri déchirant et, après un effort énorme, il dégagea une jambe. Elle était en partie rongée. L'instant d'après, il s'écroula et la chose s'amoncela au-dessus de lui avec la sauvagerie d'une matière réellement vivante. Ce fut infernal. L'homme avait disparu. Là où il était tombé, s'élevait un tertre à sa taille et modelé à sa forme, dont l'épaisseur augmentait constamment car la substance venait de tous les côtés sous forme d'étranges vaguelettes qui s'accumulaient là. Le commandant et le lieutenant restaient interdits, frappés par l'incroyable horreur du spectacle. Moi, je commençais à découvrir la grotesque et terrible conclusion de tout cela, à la fois aidé et gêné par ma formation professionnelle. Les hommes qui nous attendaient dans le canot poussèrent un cri et je vis deux ou trois visages apparaître par-dessus la rambarde. On les voyait nettement à la lueur de la lanterne que le matelot avait enlevée à M. Salverne. Chose étrange, cette lanterne était restée sur le pont sans subir aucun accident, proche de l'horrible tombeau sur lequel la chose s'accumulait et s'agitait dans un mouvement continuel. La lanterne montait et descendait en suivant le mouvement des vagues de la substance, de la même manière qu'on voit un canot rouler et tanguer sur le clapotis. Cela m'intéresse aujourd'hui, psychologiquement, de me rappeler comment ce roulis et le tangage de la lanterne m'amenèrent à comprendre plus que n'importe quoi d'autres atroces étrangetés de tout cela. Les visages des matelots disparurent. On entendit leurs hurlements de frayeur, comme s'ils avaient glissé ou comme s'ils avaient été soudain blessés. Et du canot vinrent des appels horrifiés. Les matelots nous criaient de revenir, de revenir. Au même moment, je sentis que ma chaussure gauche était attirée vers le bas, comme prise dans une affreuse étreinte. Je parvins à me délivrer et poussai un cri d'effroi. Devant nous, je vis que toute l'ignoble matière était en mouvement et j'appelai d'une voix terrifiée. « Au canot, commandant ! Au canot, commandant !» Le capitaine Gannington me regarda par-dessus son épaule droite, avec des yeux stupides qui me laissaient deviner qu'il n'en revenait pas de toute cette incompréhensible confusion. J'allai aussi vite que possible vers lui et, le prenant par le bras, je le secouai avec force. « Le canot » hurlai-je, « le canot ! Pour l'amour du ciel, dites aux hommes d'amener le canot à l'arrière !» La moisissure était sans doute en train de s'emparer de ses pieds, car soudain, il rugit, affolé. Son apathie momentanée faisait place à une énergie farouche. Son corps épais et fortement musclé
se débattait et se contorsionnait dans un effort puissant, si bien qu'il lâcha sa lanterne. Il put libérer ses pieds, mais quelque chose se déchira. La réalité de la situation lui apparaissait désormais dans toute sa brutalité, et il commanda, en hurlant, aux hommes du canot. « Amenez le canot à l'arrière! À l'arrière! Amenez-le à l'arrière !» Le lieutenant et moi braillons de la même manière, comme pris de folie. « Sacré bon Dieu! Dépêchez-vous, les gars !» criait le commandant, et il se pencha vivement pour ramasser sa lanterne qui brûlait encore. Ses pieds furent de nouveau agrippés, mais il réussit à s'en sortir en blasphémant, tout essoufflé, et en sautant aussi haut qu'il put. Puis, il courut sur le pont, secouant ses pieds à chaque pas pour les dégager. Au même moment, le lieutenant cria quelque chose et s'accrocha au commandant. « Ça m'attrape les pieds! Ça m'attrape les pieds !» cria-t-il. Ses pieds avaient disparu jusqu'à la hauteur de ses bottes. Le capitaine Gannington le saisit par la ceinture de son puissant bras gauche, tira un grand coup et le libéra, mais les deux semelles de ses bottes avaient presque disparu. De mon côté, je bondissais follement d'un pied sur l'autre pour éviter l'emprise de la moisissure, et soudain, je courus jusqu'à la lisse. Mais avant que je puisse y parvenir, une étrange brèche s'ouvrit dans la moisissure entre nous et le bord du bateau. Elle avait près d'un mètre de large. Quant à sa profondeur, je n'en sais rien. Elle se referma aussitôt, toute la moisissure se précipitant dans une agitation d'horribles vaguelettes à l'endroit de la brèche, et j'en m'en éloignais rapidement, car n'osais pas y poser les pieds. Le commandant me cria « À l'arrière, docteur! À l'arrière! Par là, docteur! Courez !» Je vis qu'il m'avait dépassé et qu'il était déjà sur la poupe. Il portait le lieutenant comme un sac flasque sur son épaule gauche, car M. Salverne s'était évanoui et ses longues jambes heurtaient mollement les genoux du commandant quand celui-ci courait. Je remarquais, faisant inconsciemment attention aux moindres détails, que les plantes des pieds déchirés claquaient comme des semelles décousues, tandis que le commandant titubait sur l'arrière. « Ohé, du canot! Ohé, du canot !» cria le commandant. Je fus bientôt à côté de lui, et je criais avec lui. Les matelots répondaient en hurlant des encouragements et, à coup sûr, ils souquaient vigoureusement pour faire avancer le canot sur l'arrière à travers l'écume épaisse qui ceinturait l'épave. Nous atteignîmes le couronnement dissimulé sous la moisissure et, tout essoufflé, nous essayâmes de voir à travers les ténèbres quelle était la situation. Le capitaine Gannington avait laissé la lanterne près du gros monticule au moment où il avait crocheté le lieutenant. Et de notre place, nous pouvions voir que la chose entre nous et la lumière était en plein mouvement. Cependant, là où nous nous tenions, elle était encore ferme, à un ou deux mètres devant nous. Toutes les deux secondes, nous adjurions les hommes de se presser, et ils continuaient à nous faire signe qu'ils arrivaient aussi vite que possible. Tout ce temps, nous restions les yeux fixés sur le pont de cette ignoble épave, et, pour ma part, j'étais malade de peur dans cette attente, prêt à sauter par-dessus bord dans la dégoûtante écume qui nous environnait. D'en dessous, revenant des cales du bateau, on entendait tout le temps le sinistre et régulier tchou, tchou, tchou,
dont le bruit allait en augmentant. J'avais l'impression que toute la coque de l'épave commençait à frémir de façon cadencée. Pour moi, qui soupçonnais, idée grotesque et monstrueuse, la cause de ce bruit, c'était le son le plus terrible et le plus incroyable que j'ai jamais entendu. Comme nous attendions désespérément le canot, je scrutais continuellement la masse blanchâtre que la lanterne permettait de voir. Tout le pont semblait en mouvement. Au ras de la lanterne, je pouvais voir les monticules d'écume s'agiter en se balançant. Plus près de nous, dans le rayon de lumière, le monticule dont on pouvait penser qu'il indiquait la claire-voie se gonflait constamment. Il était couvert de veines violacées et, dans son balancement, il me sembla que les veines et les marbrures devenaient plus apparentes. Elles gonflaient et palpitaient comme on voit les veines jouer sur le corps d'un vigoureux pur sang. C'était extraordinaire. Le monticule qui nous avait semblé découvrir le dôme s'était affaissé avec la moisissure environnante et je pus constater qu'il ne rejetait plus de liquide de violacé. La moisissure se mit à trembler devant la lampe et vint en s'agitant vers l'arrière, vers nous. Voyant cela, j'escaladai le couronnement spongieux et hélai le nouveau le canot. Les matelots répondirent d'un cri me prouvant qu'ils approchaient, mais la répugnante écume était si épaisse qu'ils avaient toutes les peines du monde à faire avancer l'embarcation. À mon côté, le capitaine Gannington secouait vigoureusement le lieutenant, qui remua en gémissant. « Réveillez-vous, monsieur, réveillez-vous » braillait-il. Le lieutenant chancela sur le bras du commandant et s'effondra soudain en poussant un cri. « Mes pieds ! Oh, mes pieds, mon Dieu !» Le commandant et moi le traînâmes au-delà de la moisissure et l'assîmes sur le couronnement où il continua à gémir. « Tenez-le, docteur !» dit le commandant. Ce que je fis, tandis que lui-même faisait quelques pas pour se pencher par-dessus la rambarde de tribord. « Bon Dieu, mais dépêchez-vous, les gars, dépêchez-vous » cria-t-il au matelot. Ils lui répondirent d'assez près. On entendait leur essoufflement, mais ils étaient encore trop loin pour le canot et pour être utiles dans l'immédiat. Je soutenais l'officier gémissant et à demi inconscient, tout en observant ce qui se passait sur le pont. La moisissure s'avançait peu à peu et sans bruit vers l'arrière. Soudain, j'aperçus quelque chose de tout proche. « Attention, commandant !» criai-je. À ce moment même, la moisissure qui s'approchait de lui lança de la bave dans sa direction. J'avais vu une vaguelette qui le cherchait à travers l'ignoble chose. Il bondit en arrière et vint atterrir à côté de nous sur la partie tranquille de la moisissure. Il se retourna et regarda en poussant un affreux juron. Tout autour de ses pieds s'ouvraient de petites bouches qui faisaient un horrible bruit de succion. « Venez, commandant ! » criai-je. « Venez vite ici !» À peine avais-je dit cela qu'une vaguelette vint lui lécher les pieds. Il trépigna comme un forcené et fit un bond en arrière. Ses semelles avaient à moitié quitté ses chaussures. De colère et de douleur, il jura tout ce qu'il pouvait et sauta sur le couronnement. Il brailla « Allons, docteur, vite, en bas !» Mais il se souvint de l'écume immonde et eut un mouvement d'hésitation. Désespérément, il pressait les hommes de se dépêcher. « Et le lieutenant ? » demandai-je. « Je m'en occupe, docteur !» répondit le commandant Gannington. Et il empoigna M. Salverne. Tandis qu'il disait ces mots, j'examinais quelque chose au-dessus de nous qui se profilait dans l'écume.
Je me penchai par-dessus la poupe et je regardai attentivement. Il n'y avait je ne sais quel objet sous la hanche de bâbord. « Il y a quelque chose là, commandant » dis-je, et du doigt, je lui montrai l'endroit. Il se courba en deux par-dessus bord et scruta l'ombre. « Un canot ! » hurla-t-il. « Un canot ! » Et il commença à s'agiter le long du couronnement en traînant le lieutenant après lui. Je le suivais. « C'est un canot, c'est sûr !» s'écria-t-il bientôt après, et faisant passer le lieutenant par-dessus la lisse, il le bascula dans le canot où il tomba avec fracas. « À vous, docteur, à vous !» me cria-t-il. Il me prit par le corps et me poussa par-dessus bord. En cet instant même, je sentis que la vieille lisse spongieuse avait un étrange frémissement et commençait à vaciller. Je tombai sur le lieutenant et le commandant suivit presque tout de suite. Heureusement, il tomba loin de nous sur le banc de nage avant qu'il ne se brisât sous son poids et vola en éclats. « bon Dieu !» marmonna-t-il. « Ça ne peut pas être pire que d'aller en enfer !» Il frotta une allumette au moment où je reprenais mon équilibre et nous nous arrangeâmes pour installer le lieutenant sur l'un des bancs arrière. Nous hélâmes les hommes du canot pour leur indiquer où nous étions, et nous vîmes la lumière de leur fanal derrière la voûte tribord de l'épave. Ils nous répondirent qu'ils faisaient de leur mieux. Tandis que nous attendions, le capitaine Gannington frotta une autre allumette et commença à inspecter le canot dans lequel nous étions. C'était une embarcation moderne, de forme norvégienne. Sur l'arrière, était peint son nom, Cyclone Glasgow. Il était en très bon état et avait évidemment dû dériver dans l'écume qui la retenait prisonnière. Le capitaine Gannington alluma plusieurs allumettes et alla sur l'avant dans la direction de l'épave. Soudain, il m'appela et je sautai par-dessus les bancs pour le rejoindre. « Regardez, docteur !» dit-il. Je compris très vite. L'avant du canot était rempli d'un tas d'os. Je me penchai pour les examiner. C'étaient les ossements de trois hommes au moins mêlés d'une étrange façon et parfaitement propres et secs. Cela me fit penser brusquement à quelque chose, mais je ne dis rien. Mon idée n'était d'ailleurs pas très claire. Mais c'est terrible et à peine croyable. Je pensais qu'elle m'était suggérée par le sinistre tchout-tchout qui battait pesamment la cadence à l'intérieur de la coque et que l'on entendait clairement, bien que nous soyons plus sur le bateau. Et pendant tout ce temps, j'avais dans l'esprit l'immonde tableau de ce tertre qui se tortillait sur ce ponton. Comme le capitaine Gannington frottait une dernière allumette, je vis quelque chose qui me rendit malade et le commandant la vit au même moment. L'allumette s'éteignit. Il se fouilla pour en trouver une autre et l'alluma. Une énorme langue d'un gris sale faisait saillie par-dessus le bord du bateau. Une énorme protubérance de la moisissure venait lentement vers nous, un morceau vivant de la coque elle-même. Et soudain, le capitaine Gannington, en deux mots, concrétisa mon incroyable, ma grotesque pensée. « Ce bateau vit !» Je n'ai jamais entendu un tel ton de compréhension et de peur dans la bouche d'un homme. Sa voix, terrifiée par l'évidence, me fit réaliser instantanément quelque chose qui, jusqu'alors, demeurait à l'abri de mon subconscient. Je savais qu'il avait raison. Je compris que l'explication que ma raison acceptait et refusait en même temps était la vraie.
Je me demande si quelqu'un peut vraiment comprendre nos sentiments à ce moment-là. La pure horreur et l'incroyable de tout cela. Tant que l'allumette éclaira, je vis que la masse de la substance vivante qui avançait vers nous était striée de veines pourpres énormément gonflées. Toute la chose frémissait continuellement à chaque tchout-tchout de l'organe gigantesque qui palpitait sous l'énorme carcasse grise. La flamme de l'allumette atteignit les doigts du commandant et je sentis une légère odeur de chair brûlée, mais il ne semblait pas ressentir la moindre douleur. Puis, la flamme s'éteignit avec un léger grésillement. Cependant, au dernier moment, j'avais pu voir quelque chose d'extraordinaire se produire au bout de cette langue monstrueuse qui s'avançait. Elle s'humectait d'une ignoble salive violacée. Et dans l'obscurité, une puanteur presque charnelle se faisait sentir. J'entendis le capitaine Gannington briser sa boîte d'allumettes. Il lança un juron d'une voix épouvantée, car il ne lui restait plus une seule allumette. Il se retourna maladroitement et culbuta sur un banc dans sa hâte de retourner à l'arrière, et moi, je fis de même. Nous savions que la chose venait vers nous dans les ténèbres. Elle atteignait déjà la hauteur du pitoyable tas d'os humains mêlés les uns aux autres sur l'avant de l'embarcation. Nous appelâmes désespérément les matelots et, comme réponse, nous vîmes l'avant de leur canot qui dépassait par tribord à l'arrière de l'épave. « Dieu merci !» fis-je pantelant. Le capitaine Gannington leur cria d'allumer un fanal. Mais cela leur était impossible car, dans leurs efforts, désespérés pour arriver à temps, la lampe avait été écrasée. « Vite, vite » criai-je. « Sacré bon Dieu, souquez les gars !» rugit le commandant. Tous deux, nous scrutions l'ombre sous bâbord arrière d'où nous savions, sans qu'on pût le savoir, que la chose avançait. « Un aviron ! Vite, passez-moi un aviron !» cria le commandant, et il tendit la main dans le noir vers le canot qui arrivait. Je vis sur l'avant une silhouette qui nous tendait quelque chose par-dessus l'étroit espace d'écume qui nous séparait encore. Le capitaine Gannington lança ses deux mains en avant et put s'emparer de l'aviron. « Je l'ai ! Allons-y » dit-il d'une voix brève et oppressée. Au même moment, le canot où nous étions fut poussé sous tribord par une force colossale. J'entendis le commandant me crier « Prenez garde ! Prenez garde à votre tête, docteur !» Et tout de suite après, il fit tournoyer le pesant aviron de 5 mètres de long autour de sa tête et frappa dans l'obscurité. On entendit quelque chose s'écraser et il cogna de nouveau avec un grognement sauvage. Au second coup, le canot où nous étions se mit à bouger lentement et tout de suite après, l'autre canot vint buter contre nous. Le capitaine Gannington lâcha l'aviron, se précipita vers le lieutenant, le souleva de son banc, puis, ayant disposé ses genoux et ses bras en conséquence, il le balança par-dessus bord dans les mains de nos hommes. Il m'ordonna de le suivre.
ce que je fis, et il embarqua après moi en rapportant l'aviron. Nous portâmes le lieutenant sur l'arrière et le commandant ordonna aux hommes de faire culer un peu le canot. Quand l'avant fut dégagé de l'embarcation que nous venions de quitter, nous mîmes le cap à travers l'écume vers la mer libre. « Où est Tom Harrison ?» demanda un des matelots tout en ramant. C'était, par hasard, le meilleur copain de Tom Harrison. « Il est mort. Souquez ferme, ne parlez pas !» Bien que le canot ait eu d'immenses difficultés pour venir à notre secours, la tâche semblait maintenant encore deux fois plus difficile. Au bout de 5 minutes d'effort, le canot ne semblait pas avoir avancé d'un mètre, et une fois de plus, la peur m'envahit. Cet effroi, un des matelots l'exprima soudain. « Ça nous attrape !» lança-t-il. Même chose que pour ce vieux Tom. C'était l'homme qui avait demandé ce qu'était devenu Harrison. « Ferme ta gueule et souque !» hurla le commandant. Quelques minutes passèrent. Brusquement, il me sembla qu'à travers la nuit, on entendait clairement l'effrayant « tchou, tchou » et je regardais fixement à l'arrière. J'en étais malade, car j'aurais presque juré que la masse sombre du monstre approchait de nous, qu'elle venait de plus en plus près à travers l'obscurité. Le capitaine Gannington devait avoir la même idée, car, après qu'il eut inspecté les ténèbres, il sauta sur l'aviron du chef de nage et se mit à souquer avec lui. « Allez à l'avant, en passant sur les bancs, docteur !» me dit-il d'une voix essoufflée. « Et voyez si vous pouvez dégager un peu cette saloperie autour de l'étrave !» Je fis ce qu'il me dit, et une minute après, j'étais à l'avant du canot, brassant avec la gaffe l'écume d'un côté et de l'autre pour tenter de nous décoller de l'ordure risqueuse. Il s'en dégageait une lourde odeur presque animale, et tout l'air semblait être imprégné de ce relent funèbre. Je n'aurai jamais assez de mots pour dire le tragique de cette situation, la menace qui rôdait dans l'air autour de nous, et puis, un peu à l'arrière, l'ignoble chose arrivait, comme je le pensais, de plus en plus près, et l'écume qui nous maintenait à moitié engluée. Ces minutes d'angoisse semblaient une éternité, et je continuais à regarder en arrière pour scruter la nuit, mais je n'arrêtais pas de brasser l'écume, la frappant et la repoussant d'un bord et de l'autre. J'étais en sueur. Soudain, le commandant Gannington s'exclama. « Nous avançons, les gars, souquez ferme !» Je sentis, en effet, que le canot avançait plus aisément sous les coups d'aviron donnés avec un renouveau d'espoir et d'énergie. Nous allions de l'avant, sans aucun doute. L'épouvantable tchout-tchout ne s'entendait plus qu'assez assourdi et vague, et je ne pouvais plus voir l'épave. La nuit était devenue très noire, et le ciel était couvert de lourds nuages. Au fur et à mesure que nous nous approchions de la lisière de l'écume, le canot avançait de plus en plus librement. Enfin, nous entrâmes, avec un bruit doux et clair, dans la mer libre. « Merci, mon Dieu !» dis-je tout haut. J'abandonnai la gaffe et je revins à l'arrière où le capitaine Gannington était assis, une fois de plus, la barre en main. Je vis qu'il regardait le ciel avec anxiété,
et l'oreille tendue du côté où l'on apercevait les lumières de notre navire. Il semblait écouter très attentivement. J'en fis autant. « Qu'est-ce que c'est, commandant ? » demandai-je brusquement, car j'avais l'impression d'entendre quelque chose très à l'arrière qui ressemblait à un étrange gémissement ou à un sifflement assourdi. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est le vent, docteur, » dit-il à voix basse. « Je prie Dieu que nous soyons à bord. » Puis, s'adressant aux hommes, « Souquez les avirons, cassez-vous en deux. Sans ça, vous n'aurez plus jamais un morceau de bon pain entre les doigts. » Les hommes obéirent sans rechigner. Nous atteignîmes le bateau sain et sauf, et le canot était proprement arrimé avant que l'orage n'éclatât. Il arriva de l'ouest, avec une fureur suffocante. Je le vis venir de loin, déchirant la mer dans l'obscurité et la transformant en un mur d'écume phosphorescente, et comme il approchait, on entendait ce gémissement criard si particulier qui devenait de plus en plus fort jusqu'à se transformer en un formidable sifflement de vapeur qui se dirigeait vers nous par-dessus la mer. Et quand il fut sur nous, nous fûmes drôlement secoués, de telle manière que le lendemain la mer n'était plus qu'un chaos d'écume blanche. La sinistre épave était à des milles et des milles au loin dans le tohu-bohu perdu aussi définitivement que nos cœurs pouvaient le souhaiter. Quand je pus examiner les pieds du lieutenant, je les trouvai dans un curieux état. Les plantes de ses pieds donnaient l'impression d'avoir été en partie digérées. Je ne connais pas d'autre mot qui puisse convenablement décrire leur état. L'agonie du matelot dut être épouvantable. Je vous ai proposé « L'épave », une nouvelle de William Hope Hudson, écrite en 1912 et extraite du recueil de nouvelles « La chose dans les algues ». Selon Jacques Van Herp, essayiste de science-fiction et auteur de nombreux articles sur Lovecraft et genre, le dessin de Hudson est de décrire la lente montée de la peur dans les esprits des hommes qui luttent contre l'évidence. L'homme est mis en présence de monstrueuses aberrations, d'entités surgies des abîmes qui ne devraient pas être. L'homme, face à sa propre folie, surgit au grand jour. Les nouvelles de Hudson atteignent tout à la fois le comble du fantastique et le comble du réalisme. Elles ne ressemblent à rien d'autre dans toute la littérature fantastique, et leur auteur ne peut être comparé qu'à Algernon Blackwood, dont Howard Phillips Lovecraft, avec lui, son seul véritable parent littéraire, le rapprochait tout en saluant son génie. Peu d'auteurs savent comme lui esquisser l'approche des forces innommables et l'assaut des entités monstrueuses. Sur ces bonnes paroles, à bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you.